Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum. On est en Sacri O ou JR Feu. Et on joue contre Eni Sram Sacrieur avec une code de. Pas de code pour le Sacri parce qu'il commence. 4368 sur Eni ou J. Voilà, donc par rapport au premier colis que je vous ai mis avec le Sacri, j'ai changé le bouclier. Je suis passé sur un bouclier du Stalak parce que c'est beaucoup plus cohérent avec le mode O. Puis il y a d'autres détails, mais bon, bref, ne nous éparpillons pas. Donc, on a en face Prision, Jahash. Oh, ça va encore être un Sram One Shot, très bien. Ça régale. Scintillant, Impatience du Hobbit sur le Sacri. Ok, bon, on est tous les deux en Sacri et Nier. Donc, ça va être intéressant de voir qui s'en sort à peu près. Répulsif mortel. Bon. Il faut que je sois prêt à full rush le SRAM dès que j'ai une opportunité. Alors là, il faut que je commence par ça, ça. Maîtrise d'invoque, il faut que j'y pense. Est-ce que je me ferais pas un petit rituel de Jashin? Tac, on va tester ce genre d'early. Un peu ballsy, mais il n'y avait pas de souci. On va venir me faire ça comme ça. En vrai. Problème c'est que si j'expose l'épée, elle va juste se faire one shot. Je vais plutôt essayer de déblayer un peu les pièges avec et de la garder pour la suite, ce sera mieux. Voilà. Ok. Donc, voilà, ça, mes derniers constats contre le SRAM, j'ai un peu du mal avec les SRAM, comme ça, en mode 0 res, no brain, full tabassage, on met des one shot en étant invisible. Ce qu'il faut que je fasse, et ce que j'ai retenu de mon dernier combat contre ce genre de mode, c'est dès que je le chope, il faut que je sois prêt à le rush au cac, parce qu'il a un malus de res mêlée avec la cape, et je peux le tabasser comme ça. Ok, donc Lenny, ouais, il va essayer de faire quoi? Il va me cop dans les. Il va juste me cop en fait, c'est ça? Alors. Ah, j'ai pas regardé. Est-ce que je peux pack 200 T1? Merde, j'ai oublié de regarder, je voulais voir. Ça peut être intéressant de faire ça en vrai. Bon, à voir. En vrai. Je vais juste faire une poursuite. Tac. On va go full héros sur le sacri. Est-ce que je me barre un peu plus ou pas? Non, tranquille. Hop. J'ai pensé à la maîtrise d'invoque, on est d'accord? Non, j'ai oublié. Bon. Ça viendra, ça finira par venir, vous inquiétez pas. Faut que je me conditionne à commencer tous mes T1 par ça, mais ça m'horripile ce sort. J'ai juste envie que ce soit activé par défaut en fait, ce serait tellement mieux. Bon, le sacré du coup qui est érodé. Ok, je me prends un coup d'épée carry. On est en 2021 ou on est sur 1.25 en fait? Qu'est-ce qui se passe? D'accord, bon, c'est pas grave. La maîtrise d'invoque que je n'oublie pas, GG à tous. Le lapino qui va arriver en renfort par ici. Le galva. Je pense que je vais partir là-dessus. Hop, régène. Faut que je fasse attention aux zones avec le SRAM. Je pense que il faut que je me dispatche un peu mes persos. Je vais me mettre ici. Toi, tu me fais ça et ça. Alors là, il faut pas que je sois con sur le placement du lapin. Faut que je fasse gaffe vraiment aux pièges funestes. En vrai, ici, je pense. Bien dans la mêlée, comme ça. Bon, je suis prêt à all-in le sacré s'il faut. Bon, il va, au moment, il y a un réseau qui va proc et je vais perdre un perso. Hein. C'est ce qui va se passer, je spoiler. Ça, c'est allié ou ennemi, hein, le. La transpo. Dérive funeste. Ouais, je vais juste me prendre un réseau en fait, c'est juste ça. C'est insupportable. Ça m'énerve. Je déteste ça, je vous promets. On va venir faire ça, je pense. Une petite aversion. Est-ce que Luigi a besoin de se faire sacrifier? Je pense que non en vrai. On va y aller comme ça. Ok, des petits dégâts qui passent, sympathiques. Alors merde, j'ai bloqué mon épée, j'aurais pu me placer de façon un peu plus intelligente. Je vais essayer de trouver le réseau. Le SRAM, on a une idée d'où il est.
Ok, faut vraiment que je fasse attention à mon placement pour les funestes, mais la zone est large quand même sur les funestes, l'air de rien. Je pense qu'il va debuff son sacri pour l'érosion. Malheureusement, je vais pouvoir la remettre instantanément. Oh non, il prêve, d'accord. Bah alors là, c'est un peu surprenant. J'ai pas encore mis d'ébène. Un mot de silence qui tombe. Solidarité, il me tape. Pour l'instant, je suis pas héros, mais moi, ce qui me fait peur, c'est que je vais me prendre un réseau et je vais juste perdre l'OJ en fait. Je le sais si vous voulez, je l'ai déjà accepté au fond de moi, mais ça me fait de la peine. Alors, on va se faire un arcanin. Il me faut 3. Ok, je peux faire carcasse. Comme ça, je me prends le stack distance. Molosse pour tanker si je me prends un réseau. Battu. Carcasse. Faut pas que je fasse le con sur le placement. Je vais aller là. Ok, c'était Ballsy. Je dis ça passe ou ça casse. J'essaie de faire gaffe aux funestes, hein, c'est vraiment ça qui me préoccupe. On est d'accord que je l'ai mis l'ébène R, hein, oui, je me suis pas chié, c'est bon. Faut qu'il survive le logis, là il est quand même bien tranquille, l'air de rien, mais j'ai peur des one shot. J'essaie juste de jouer au brain pour anticiper le placement du réseau du SRAM. Je me suis dit, si je pars vers là, j'ai peur de me prendre une dinguerie. J'ai le droit de vivre un peu ou comment ça se passe là? Bon, si vous voulez. Aïe, en fait. Ça pique. Bon. Ok. Le lapino est là. On va faire tac, solidarité direct. Est-ce que je me prève ou pas? On va voir. Tac. Est-ce que j'ai une idée du placement du SRAM? C'est un peu technique, hein. Je pourrais essayer de jouer le mec 400 de QI pour essayer de le trouver, mais j'y crois un peu moyen. Après, en vrai, il y a un tel potentiel de danger sur les réseaux là. J'ai envie de soigner Lenny. Allez, je vais y aller comme ça. Ok. Le SRAM est là. 15 PA, 9 PM, très bien. Alors, il y a un piège là. D'accord. Le sacré commence à être un peu mal en point, cela dit. Limite, je vais pouvoir lui mettre des claques. Alors, est-ce que je le tue? J'ai un ébène que je peux placer, hein. Faut pas que j'oublie. Cela dit, il y a Lenny qui va jouer entre temps, donc j'ai peut-être plus intérêt à le full all-in. Alors, méprise, ok, donc là ça veut dire que je perds un perso. Franchement, j'ai essayé, mais. Bah, GG à lui, hein, il était meilleur. C'est vraiment une lucky. Voilà, bon bah GG. Vraiment, vraiment le boss. Vraiment le boss. Il m'a fait quoi? C'est une fosse commune, bah très bien. Une fosse commune, alors ainsi soit-il. Là, c'est un peu frustrant, mais tranquille. Pesanteur, ok, heureusement je suis pas taclé. Je peux lui faire. Alors, je peux lui faire. Il faut que je commence par un déchaînement, faut que je le tue à tout prix. Tac. Je peux faire ça. Je vais lui mettre une stase. On va faire comme ça. Faut que le kill passe. Voilà. Et malheureusement pas avoir la PO d'aller chercher le SRAM en face. Alors là, la carte que j'ai à jouer entre guillemets, c'est que avec mon OJ, je peux all-in le SRAM, mais genre vénère avec des dégâts de mêlée, je le détruis. Il faut juste que je puisse le toucher. Le truc c'est qu'une fois que je lui ai mis l'étape 3, je peux le flair même quand il est invisible et le trouver. Ça peut être complètement game breaker. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'Oginac, en partie pour ça en tout cas. Bon, vraiment, j'ai essayé d'utiliser mon QI pour jouer contre le mode de gameplay du SRAM, mais je sais pas ce qu'il faut faire pour pas perdre un perso au bout d'un moment en fait. Hein. Tu fais un truc pour pas te prendre le réseau, bah il te le met au tour prochain, et quoi qu'il arrive, c'est compliqué quand même. Hein, mais bon. Bref. Donc, on va y aller comme ceci. Je peux lui remettre un. Non, j'ai pas d'ébène à mettre, hein. Ce sera au tour prochain. En vrai, je vais faire ça, je pense. Est-ce que j'ai Rod ou pas?
Ouais, bon, je tabasse quand même bien. On joue en quinconce l'un après l'autre. J'ai encore des trucs à faire avec le SRAM. Ok, il m'érode. Il va peut-être pouvoir me placer du funeste. Il a quand même beaucoup de PA. Extorsion. Il me vole de la force. Ok, je suis pas terre. NP, NP. Je me fais tabasser violent, mais c'est tranquille. Moi, je vais pouvoir sacrifice instant. Il me tacle pas, on a dit. Je vais directement sacrifice ça. Je pourrais me booster en vita, mais... Je vais venir chercher... Ça comme ça, condensation. Malheureusement, je vais pas pouvoir lui placer mon ébène. Mais je le replace quand même plutôt bien. En vrai. Il peut pas empêcher mon Rox Dougil. Hein. Il a plus de mode silence. Il a plus de prêve. Il se tacle tout seul. Qu'est-ce qu'il branle? Il voulait juste passer, d'accord. Bah t'as plus de PA mon bro. Ah non, t'as encore 8, ok, j'ai rien dit. Je suis mauvaise langue, hein, je suis mauvaise langue. Moi sélectif, sauf que... Évidemment, le dépeçage, soin reçu x 50%, donc il prend beaucoup moins de soins. Abnégation, il booste son lapin. Je suis pas du tout convaincu par son tour, là. Donc là, je crois que c'est le moment précis de vous lâcher ce fameux tour de gros rocks au cac dont je vous parlais. C'est pour maintenant. On va faire tac, on se booste, là il faut kill. Hein. J'aurais pu placer l'ébène mais je pense que j'ai même pas besoin. Tac. Je vais venir me mettre ici. Ok, bah écoutez, ça a l'air de bien se passer. On va lâcher un petit coup de cac. Je pourrais lui placer l'ébène, mais je force pas. J'ai un ébène sur le sacri, mais j'ai pas forcément besoin de forcer la pose de l'ébène. Si le cas de figure s'y présente, de toute façon, la fuite du defus ébène me sert déjà beaucoup. Hein. Dans tous les cas, hop. J'aurais même pu aller mettre un coup au lapino, mais tranquille, on va rester là. Je vous avouerai que ça me fait plaisir parce que j'ai récemment eu des expériences que je qualifierais d'assez douloureuses hein, contre des Sramter, JaH, je vous mets des gros one-shots, vous pouvez rien faire avec mon réseau. Donc là, bah, ça fait du bien. En fait, je pense que la meilleure strat, c'est d'accepter qu'il y a un moment, on n'aura plus que deux persos, mais il faut se faire en sorte qu'on puisse très très vite retourner le combat et profiter du fait qu'il a des gros malus de res mêlée et pour faire des trucs. Je pense que c'est vraiment le meilleur call. Voilà, je sais pas ce qu'il espère, peut-être une panne de courant chez moi éventuellement, ça peut arriver. Ça peut arriver à tout moment. Du coup, là, on va lâcher les petits ébènes tranquillement. J'ai même pas spécialement besoin d'éroder. Hein. Je pense que je vais juste full tabasser. Je vais quand même lui mettre des charognes, dans le doute. Mais je mets pas de gangrène, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Il y a quand même des gros dégâts qui sortent. Dire GG. Quel est le tour le plus intéressant à faire là? On va y aller safe, hein. Pas besoin de forcer de toute façon, ouais, je passe le kill large. Bon, hop. Très bien, bah écoutez la maîtrise du sacrilleur qui rentre peu à peu. C'était le troisième colis que j'ai fait, le premier j'ai win, le deuxième j'ai win mais je me suis chié sur ma scène, donc en fait j'ai filmé mais on voyait que ma tête, donc le chat il a été en panique pendant 10 minutes, c'était cool. Et donc là c'était le troisième, donc je pense vraiment que le mode en Stalak est bien plus intéressant en fait que l'Ilysael. Je m'étais posé la question, je l'avais Theorycraft en Ilysael. Mais je pense vraiment que le Stalak est bien bien mieux, avec le camp de Girard, que vraiment c'est très violent, hein. C'est très intéressant ce qu'on peut faire en termes de dégâts. Je suis assez séduit par le mode, franchement ça me plaît beaucoup. Et pour la petite, pour vous dire un peu ce que je prévois de faire, il n'y aura pas que du Sacrieur. En fait je pense que, bon Lenny Feu il va rester dans ma team un bon moment, parce que j'aime beaucoup pour juste pour le debuff d'érosion en fait, juste pour ça je trouve ça insane. On va dire pilier, soutien, placement, je vais alterner entre le Sacrieur et le Xelor. Je vais quand même essayer de jouer le Xelor parce que j'ai l'impression que là que ça va un peu mieux depuis la maintenance de mardi.
Et Luigi, pour l'instant, c'est mon érodeur principal PVP, mais j'aimerais bien vous faire assez vite du Yopter et de l'Ekaflip haut. Voilà, donc je vais essayer de moduler un petit peu les compos. Donc là, en tout cas, sur les jours qui viennent, attendez-vous à ce que j'alterne du Ugyeni Sacri et du Ugyeni Xel. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ah oui, dernier truc aussi, donc je précise encore que je débute vraiment sur le Sacrieur. Hein, les derniers que j'avais touchés, c'était du châtiment pied de Sacrieur à Frigost en fait. Donc ça faisait vraiment très très longtemps que j'avais pas touché de Sacrieur, donc je suis ouvert aux conseils de gameplay, de mode, de tout ce que vous voulez. Et j'ai notamment deux grosses interrogations sur là ce que je joue. C'est déchaînement ou nervosité. Voilà, là vraiment j'hésite vraiment sur cette variante. Nervosité qui est vraiment sympa en zone pour 3 PA, en anneau, etc. Bon, déchaînement sympa aussi. J'ai choisi déchaînement parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir un sort qui fait un malus de PV par rapport à la souffrance et aux mécaniques du Sacrieur. Sachant que je joue avec un Eneripsa qui soigne de toute façon comme un ouf. Je trouve que c'est plus intéressant, mais j'hésite quand même. La nervosité m'attire un petit peu. Et la deuxième hésitation que j'ai, c'est sur couronne d'épines ou pilori. Voilà. Couronne d'épines, c'est un peu comme un contre un peu chelou. Mais intéressant, et Pilori, ça a l'air assez game breaker avec un état indéplaçable contre des compos de poux, des restes distance, enfin c'est. Y a beaucoup de. Ça m'a l'air plus game breaker le Pilori, mais le couronne d'épines quand même intéressant dans pas mal de cas de figure. Donc voilà, nervosité et Pilori, c'est les deux variantes sur lesquelles j'hésite encore, et donc je serai ouvert à vos retours si vous connaissez un petit peu le gameplay Sacrieur et si vous avez des avis par rapport à ça. N'hésitez pas à argumenter dans les commentaires. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.